Ah mais cette nuit, j'ai cru perdre ma voix. Mon frère, elle a mis la clim à 16, mais ça va pas. Je pense 22, c'est bien. C'est trop 16, il faisait trop froid là. J'ai failli perdre ma voix. Elle est efficace, mais bon. Ça, les filles, je vais le prendre avec moi au Maroc. Parce que ça, Isaac, vraiment, il les aime trop. Donc c'est mon père qui l'avait acheté. Il l'avait acheté en rose. Et il aime trop ses moutons. Donc je vais lui prendre. Et le tapis, par contre, je le laisse ici. Et je vais racheter le même. Je vais le prendre avec moi. Je vais le mettre dans la valise. Il va kiffer. Ça, vraiment, il aime trop ce tapis. Genre, vraiment, meilleur achat. Et les petits moutons aussi. Ces petits moutons, il me tue avec ces petits moutons. Regarde comment il regarde ces petits moutons, mon bébé. Mon bébé. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors le sujet du jour de ce matin au petit déjeuner, c'est la khotoba de ma sœur Inch'Allah. Donc ça va être en septembre. Donc bonne nouvelle, je vais revenir au mois de septembre. J'ai trop trop hâte du coup. Bah, moi qui pensais que j'allais pas revenir avoir un bon petit moment. Donc je suis trop contente. Là à la rentrée, on va faire la demande demain. On va voir et tout comment ça se passe. Donc j'ai trop trop hâte. Si tout se passe bien, Inch'Allah, après ça sera les préparatifs pour le mariage. Franchement, j'ai trop trop hâte. En plus, je vous jure, il n'y a pas longtemps, je disais à Jamel, j'aimerais trop aller à un mariage. Genre, ça fait hyper longtemps, moi, depuis mon mariage, je suis pas allée à un mariage. Donc là, que ce soit ma petite soeur, ça tombe super bien. J'ai hâte d'aider à faire ses préparatifs, l'aiguiller, etc. Vu que moi, je me suis mariée il y a même pas un an. Je vais pouvoir grave l'aider, lui donner des conseils et tout. Donc, trop hâte. Alors là, les filles, aujourd'hui, je vais commencer à faire mes valises. Et comme ça doit y avoir les Biolanes à Marjane, sauf les filles du Maroc, si vous pouvez me dire. Mais en tout cas, j'ai pris deux paquets. J'ai pris les tailles 2. Ceux-là, je les aime trop. En ce moment, vraiment, c'est mon kiff. Elle lui hérite pas du tout les fesses, rien du tout. Donc, j'ai pris deux paquets comme ça. Alors, pour Isaac, je lui ai repris son gel douche. Vraiment, je l'aime trop aussi, ce gel douche chez Biolanes. Il sent trop, trop bon. Vraiment, mon fils, je trouve qu'il sent tellement bon. Il sent le bébé avec ce gel douche. Donc, là, corps et cheveux, je lui mets que celui-ci, 97% d'ingrédients naturels. Il est vraiment trop, trop bien. J'ai dit, les filles, je vais, on va dire, finir mes valises déjà de 1 comme ça. Je serai tranquille là, les 2-3 derniers jours qui me restent, puisque j'ai toute la journée de samedi aussi. Je serai pas dans le stress, dans les valises, dans les affaires à droite, à gauche. Voilà, moi j'aime bien tout faire en avance. Vous savez que j'aime bien être comme ça, organisation plus plus. Donc je termine ça. Et aussi, s'il manque 2-3 choses, au moins je boucle ça, parce que je sais plus où ce que j'ai mis ces tétines. Même s'il les prend plus trop, on sait jamais, ça peut toujours dépanner. Donc je pense que je vais lui racheter une ou deux tétines. Et je voulais tester aussi les biberons MAM. Je n'ai entendu que du bien. Moi j'ai les biberons aussi Philips Avent, donc je me dis autant les acheter là, puisqu'il y a un magasin de bébés pas loin. Donc j'irai lui acheter ça aussi. Et comme ça je profite à fond des derniers jours. Donc... Bon les filles, j'en ai profité pour tirer mon lait. Là j'ai utilisé le nouveau qu'ils m'ont envoyé. Alors celui-ci il est vraiment bien aussi, mais moi je préfère l'autre. Pourquoi? Parce que vous voyez, dès que j'ai fini de tirer mon lait, bam, directement je le renverse. Là faut que je le démonte, mais il est vraiment trop trop bien. Enfin, c'est pas trop compliqué. Hein. Hop. Je vais le mettre directement dans le bip. J'ai tiré combien? 120. Top. Les deux autres, je les ai mis à charger. Donc, je me sers de ceux-là, qui sont vraiment bien.
vais avoir une super offre aujourd'hui pour Owari et je vais vous présenter le pack drainant. Donc les filles, dans le pack drainant, vous allez avoir la cure Duruity, la cure Cuturize et les brûleurs coupe fin de chez Owari. Donc je vais vous expliquer chaque vertu de chaque produit et ça les filles, vraiment, ça va vous aider à perdre du poids. Je vais vous mettre tous les retours que j'ai reçus, je vais vous mettre les retours aussi sur Néa. Alors, concernant la cure Duruity, donc pour celui-ci, les filles, il va éliminer toutes les toxines, toutes les mauvaises graisses. Il va aussi agir sur la rétention d'eau. Celui-ci, vraiment, il est efficace. Concernant le queue de cerise, alors le queue de cerise, c'est celui-ci qui va participer à la perte de poids et à la sèche. Donc celui-ci aussi, il va aussi agir sur la rétention d'eau. Et dans le pack drainant, les filles, donc vous avez le Duruity, le queue de cerise et vous avez les brûleurs de graisse qui font effet coupe fin. Donc ça, les filles, comment vous l'utilisez? Vous prenez deux gélules comme ça. Je vais vous montrer, elles sont comme ça. Ça, les filles, c'est que des produits naturels. C'est que 100% des produits naturels. Donc ça, les filles, vous en prenez deux le matin, deux le midi avec un grand verre d'eau. Vous allez voir l'efficacité de ce pack. Donc ça, c'est le pack drainant. Je vais vous mettre tous les retours que je reçois au quotidien. Je vais vous mettre aussi le retour sur ma mère à mes nénés. J'attends qu'elle m'envoie son nouveau poids là parce qu'elle a perdu du poids encore. Donc là, je l'ai appelée. Donc elle va m'envoyer son nouveau poids sur la balance. Et pour celles qui cherchent à booster la lactation, la production de lait maternel, cette tisane, les filles, elle est vraiment top. Je vous l'ai déjà recommandée à plusieurs reprises. C'est la Momie Détox. Donc celle vraiment qui cherche une super bonne tisane, celle de chez Owari, elle est vraiment géniale. Comme je vous ai dit, les filles, c'est que des produits naturels. J'ai que des bons retours, que ce soit ma copine, que ce soit ma famille, que ce soit des personnes que je vois sur les réseaux sociaux, que ce soit vous. Vraiment, j'ai que des bons retours sur la marque Owari. Donc foncez les yeux fermés. Là, je vais avoir moins 25% sur tout le site. Profitez-là, celles qui veulent perdre, parce que je sais que pendant les vacances, surtout moi, mais bon, moi, vous savez que je suis pas en perte de poids. Moi, je suis très honnête avec vous. Je sais que les vacances, on fait beaucoup d'écart et c'est là qu'on mange des glaces, des trucs et tout. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent reprendre. Donc là, les filles, je vais vous montrer comment on va faire infuser le thé. Donc, vous prenez votre casserole. Donc, pour 1,5 ml d'eau, vous allez mettre 7 cuillères de thé. Donc, je vais mettre le thé dans la casserole et après, je vais venir le filtrer et le mettre dans ma tasse. Alors les filles, je veux juste vous donner un petit conseil pour le tirer, que ce soit celui-là ou celui-là, c'est la même chose. Regardez, vous avez les mêmes boutons. On a play, plus, moins et les petites flèches comme ça. Pareil, là, on a le bouton plus, moins et la petite flèche. Donc là, c'est juste pour mettre sein droit, sein gauche. Ça change rien. Alors, je vous montre parce que celui-là, il a de la batterie. Celui-là, il n'a plus de batterie. Il faut que je termine de le charger. Donc là, les filles, vous allez l'allumer. Donc quand les filles, vous allez commencer à tirer votre lait, commencez pas directement sur la goutte. Sur la goutte, pour moi, c'est extraction, si j'ai bien compris. Mais moi, je vous dis comment je fais. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur le cœur. Alors, attendez, je vais le mettre uniquement sur le cœur. Je le mets à deux. Et là, ça va faire juste des petits mouvements pour commencer à stimuler tout doucement. Parce qu'il ne faut pas faire trop fort, les filles. Enfin, ça ne va pas vous faire mal, mais moi, je commence toujours par tout doucement parce que j'ai pas envie de m'agresser. Donc, une fois que j'ai fait un tout petit peu le cœur, genre, allez, une minute, je vais commencer à changer et à mettre sur la goutte. Donc là, c'est pour extraire le. Donc là, celui-ci, il va jusqu'à 15. Donc ça, c'est beaucoup. Hein. Moi, j'ai pas jusqu'à ce level-là. Donc si vous avez celui-ci, 8, 9, c'est très bien. Ici, 9, 10, c'est très bien. Donc là, les filles, vous avez le niveau 1, 2. Moi, je commence par 4 pendant une minute. Et après, hop, dès que j'ai fait une minute, je mets à 8. Et là, je peux tirer mon lait pendant 20 minutes et ça va me le remplir jusqu'en haut. Donc voilà, c'est juste des petits tips, des petits conseils. Moi, je commence toujours par la goutte pour stimuler un tout petit peu. Et après, j'extrais. Voilà. Et je commence et j'y vais progressivement. Parce que voilà.
Alors ça, c'est un truc que j'ai oublié de vous dire. Je n'utilise plus du tout les bouts de sein. Vraiment, ça m'a fait trop bizarre quand j'ai commencé à donner le sein sans les bouts de sein. Vous savez, le petit silicone en plastique que je vous avais recommandé. Je ne crache pas dessus, ça m'a beaucoup aidé. Je suis bien contente de ne plus l'utiliser parce que là, c'est vraiment contact de mon fils à moi. Il n'y a pas cette petite barrière en plastique, même si ça m'a beaucoup aidé, beaucoup soulagé. Mais j'ai commencé à plus l'utiliser parce qu'en fait, je ne les trouvais plus. Mais je les ai retrouvés. Et j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais tester, je vais lui donner 100. Et c'était quand je suis arrivée dans le sud, dans tout le début. Et j'ai essayé, il a attrapé direct, comme s'il n'avait plus besoin de bouts de sein. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Donc là, j'utilise plus du tout les bouts de sein pour celles qui me demandent. Donc je les ai utilisés, on va dire, 1 mois et 10 jours. J'ai utilisé les bouts de sein. Bon, là, les filles, on va aller se manger une petite glace, on va sortir tous ensemble. Et on va rejoindre ma famille sous les coups de 18h à la plage. Comme ça, je vais voir mes petits cousins, je vais profiter d'eux avant que je parte. Ils vont profiter d'Isaac. Donc on va se faire une petite fin de journée à la plage vu que ça se rafraîchit. Même ça va faire du bien Isaac là de prendre un peu l'air. Mais tout le temps moi je le sors vraiment en fin de journée puisque vraiment les chaleurs, je vais vous mettre là, enfin, après vous pouvez regarder sur internet, c'est abusé la canicule. Dites-vous il fait plus chaud ici qu'au Maroc. En tout cas, je sais que Marrakech il fait chaud, mais moi j'ai pas à Marrakech, je vais à Rabat, là-bas il y a la mer et tout. Les températures elles sont plus basses que dans le sud de la France. Et là où je vais, vraiment, il y a le vent de la mer. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Je connais pas la suite. Bon, allez, on va aller se prendre une petite glace et ensuite on va rejoindre toute ma famille à la plage. On va pas aller à la plage d'habitude, là on va aller à la plage, vous savez, où il y a les galets. Donc on va aller plutôt vers Cagnes-sur-Mer. Je me suis arrêtée vite fait, il y avait une pharmacie juste à côté parce que j'ai oublié une brume pour Isaac et il fait trop chaud. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Ah, je vais en acheter une mine parce que c'est là que j'ai la grande à la maison, ça c'est parfait. Allez, si on est revenu chez mon glacier préféré, donc je vais en profiter, il me reste que 2 jours. Donc on a repris des glaces avec Jamal et ma maman. Celle-là, c'est pour Jamal, il a pris coco pistache. Ma mère, elle a pris chocolat menthe. Elle est là, ma glace, les filles. Et c'est kiwi, ça, les filles, c'est souvent en rupture. Hein. Mais kiwi, qu'est-ce que c'est bon. Et j'ai pris spéculoos, mais sinon, j'aime bien aussi le citron. Bon les filles, on est arrivé à la plage. Les petits sont partis chercher des sandwichs et on va se poser sur le bord de mer. Walk around always mad reputation. Leave a pretty girl sad reputation. Les filles, c'est le temps parfait pour Isaac. En plus, on a un petit coucher de soleil. C'est magnifique. And hot the Bible of God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogie man, I'm the one. Bon les filles, on a passé une super belle fin de journée. On rentre tous ensemble.